histoire de reprendre un petit peu les esprits. N'oubliez pas, on souffle, on respire par le ventre, hein, pas par le thorax. Et dès que vous le sentez, vous allez monter les mains, direction ciel, pour commencer tout l'enchaînement. Allez, c'est parti. On monte les bras, on descend niveau cœur et on commence par la chaise pivotante. Le deuxième, c'était le triangle, hein, simple. Donc ouverture des bras, des jambes, et on descend tout simplement sur la jambe droite ou gauche. Ouvrez les hanches, voilà. Descendez plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Allez, on met bien la main. Ok. Par le bras, on monte et on change. C'est très bien, les filles. Allez, cherchez loin, cherchez loin, cherchez loin, voilà. On remonte et on y va pour le triangle renversé. Donc d'abord, on passe par la phase du triangle. Et on change, on inverse. Les jambes bien tendues. Alors, par contre, fais attention, Anaïs, ton bras pas vers l'arrière. Direction ciel, voilà. Parce qu'il a tendance à partir vers l'arrière. On revient en position triangle. Et on remonte pour changer. Ça demande une grosse concentration sur soi-même, là. Hein. Le renverser. Les omoplates bien parallèles. Super. On renverse encore. Voilà. En triangle normal, on monte par le bras et on passe ensuite au guerrier 1. Ouverture des bras. Et flexion. Ouais, n'oubliez pas le pied à l'arrière, il est fermé. Hein, voilà. On le finalise. On fait la même chose de l'autre côté. Super. Vraiment tout le poids du corps sur la jambe fléchie. Hein, voilà. Et on le finalise. On revient sur le des guerriers 1 de l'autre côté et on fait son petit quart de tour. Vous vous souvenez? Voilà, en montant les bras direction ciel et on fait 8 petits rebonds. Doucement. Le souffle en descendant. Vous êtes sur du yoga, donc pas dans du renforcement, vous allez dans l'étirement. Donc le souffle en descendant, pas en montant. Si vous soufflez en fait en montant, vous allez vous concentrer la respiration sur le muscle du renforcement, c'est-à-dire le quadri devant. Et moi ce que je veux, c'est l'étirement en premier. Voilà, vous descendez sur la fente et vous montez le bras. On relâche et on va tendre ses deux jambes avec la pointe de pied ou pas redressée. Restez, restez, restez. Soufflez, respirez bien. On repose la pointe de pied et on remonte dos plat. Les deux jambes tendues. Wow. J'adore ta remontée, Chantal. Allez, quart de tour. Et les rebonds. C'est bien, Anaïs. Vous bloquez ensuite la position quand vous arrivez sur les 8. Hein.
et vous descendez sur la fente. Pouf, on descend, on pose les mains, on monte son bras gauche, avec petite torsion de haut de corps. Le bras bien direction ciel et pas vers l'arrière, voilà. On relâche, on tend ses deux jambes avec la pointe relevée ou pas. On repose la pointe de pied, on redresse dos plat, hop. On revient face à moi. Et la position chien tête en bas. En posant les mains, on avance bien, voilà, le haut du corps. Et vous me faites décollement des talons 8 fois. Ouais, c'est ça pour le moment. C'est après que maintenant, par contre, vous commencez à réfléchir comment vous allez vous retrouver sur le quart de tour. Remarquez, c'est simple, hein. Vous allez juste ramener les jambes pour le moment et après faire votre petit quart de tour sur votre droite. Ouais, c'est ça, sur votre droite. Ensuite, vous gardez les pieds relevés, vous gardez les talons redressés et vous bloquez la position. Hop, 4, 3, 2, vous reposez les talons, fléchissez un peu vos jambes si vous voulez, rapprochez vos jambes. J'aime bien, c'est le même geste au même moment. On rapproche, petit quart de tour. Vous placez les mains au sol. Élévation de la jambe droite ou gauche, peu importe. Flexion de la jambe. Super, c'est très très bien les filles. Extension de la jambe. Allez, on la remonte, on la remonte, on la remonte. On tient la position. 4, 3, de relâcher doucement, position grenouille, pour relâcher un petit peu les esprits. Voilà, on tient la position un peu. C'est très bien, hein, bravo. Hein. Bon, j'enlèverai le son parce qu'avec ma voix douce, ça passe. Mais franchement, super sympa, vraiment beau. C'est un bel enchaînement que vous faites là. Bon, Anaïs, elle est partie sur le deuxième. Hein. Ouais, mais franchement, c'est chouette, hein, c'est très très beau. Il manque plus qu'une belle musique et franchement, ça fait un bel enchaînement. Je vais chanter, je sais. La la la. C'est bien. Flexion de la jambe. Il y en a un qu'on n'a pas fait, mais c'est pas grave. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Le pendule qu'on n'a pas fait. Le pendule. Partir sur le côté. On remonte la jambe tendue. On va poser. Position grenouille. Voilà. Gardez les mains devant. Paume de main contre paume de main. Regardez loin devant. Redressez un petit peu le haut du corps et restez en position grenouille.